Hey yo tout le monde, c'est Ecart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est en compagnie de personne, voilà, donc salut à moi, hein, il reste que moi donc forcément salut à moi, voilà, bref, on se retrouve sur le Wakfu Beta, donc je suis avec mes trois persos, donc Ecart les eaux qui est un SRAM 160, j'ai mon Ecartler 160 aussi, c'est un petit Xel, et Ecart la maladie qui est un Nini, voilà, donc toujours 160, hein. Et aujourd'hui, si vous avez pu reconnaître le décor, nous sommes chez Philacia. Donc Philacia, qui est-ce? C'est tout simplement le nouveau BU. Donc on m'a dit qu'il avait 52 000 PDV, qu'il avait de l'armure, je crois, et en plus qu'il t'empoisonnait, quoi. C'est le boss, le boss, il t'aime pas, quoi. Bon, ok, on est trois persos. On va se faire démonter la gueule, ok? Mais bon, comme dirait un collègue jambon, ce n'est pas la taille qui compte. Voilà. Donc on va aller se rendre tout de suite chez Philacia et on va tenter de lui péter la gueule. Même si c'est elle qui va nous péter la gueule. Voilà, c'est pas. Y a pas de question, non. c'est forcément elle qui va nous péter la gueule et ça va faire très très mal. Donc là, il y a eu un petit bug, ok. Normal. Donc on fait changer de personnage. Hop, vous avez la petite musique. Hop, et on reprend Ecart les eaux. Voilà. Donc c'est un petit bug qui m'est arrivé aussi tout à l'heure et c'est pour ça que je reprends la vidéo parce que bon, voilà, hein, ça a bugué. Et voilà, maintenant je connais la technique. Bon ok, j'ai pas eu le temps pour le placement, mais fuck. Alors oui, c'est vrai, alors on m'a pas dit de conneries, il a bien 52 000 PDV. Donc c'est déjà un truc de gros bâtard, hein. Et en plus, t'as le challenge qui te dit incurable, quoi. C'est... il y a tout qui t'aime comme et qui t'aime pas, quoi. C'est le truc qu'il veut t'achever le plus vite possible. Bon. Apparemment il y a du poison aussi, j'ai vu ça pour les PA. Ok. Ah vite. Ah dommage. Ok, dommage. Bon moi j'ai libéré mon petit soigneur. Donc ça peut aller. Donc lui il a pas de tacle, mais c'est super. Allez hop, on l'allume, hein. Bon ok, je suis conscient que en l'allumant, je m'allume aussi. Mais après t'as la soigneuse qui passe derrière, qui fait ça. Et c'est réglé, voilà. C'est une question existentielle. Donc on va mettre un petit lapino aussi, ça peut être utile, ça peut tank. Ouais, parce que les lapinos ça tank. Oh. Donc, hop. Ok, ouais, ça la régène. Très bizarre, mais ok. Alors, le lapino, il va juste être là pour faire joli, pour tank une attaque. Tout simplement parce que si je me soigne avec le lapino, ça va up mérésie de soins. Et du coup, ça va pas être très top pour moi, donc on va faire ça. Donc, hop. Hop, ok, il a une armure. Donc on donne ça là. On donne 2 PA à la soigneuse. Et on fait ça. Voilà, tout à fait. C'est bien rangé. Bon, par contre, il s'est pris 2000 là. Je sais pas comment il a fait. Alors, tac. Tac. Il est ému ou quoi là? Il est ému, hein? Non? Ok. Apparemment il est pas ému. ça me donne pas confiance, tu vois ça, il est pas ému, pourtant il te donne là le truc. Donc c'est déjà violent, quoi, c'est violent. Donc, prochain tour, je vais me mettre invisible, histoire de pas avoir trop de dégâts, quoi. Donc hop,
soigneuse qui fait quand même très très bien son boulot. Hein. Hop. Ok, ça passe soin sur moi. C'est très bizarre, mais ok. Peut-être que j'ai pas été assez proche. Donc là, hop, je me mens à moi-même, je me soigne un peu. Parce que bon, si je me soigne pas, je vais mourir. Ce qui est logique. Par contre, elle a l'air d'avoir une bonne intelligence artificielle parce qu'elle n'a pas encore touché le lapineau. Ce qui est bizarre parce que normalement, elle aurait déjà dû taper le lapineau. Et je sais pas quand... Enfin... Tu l'enlèves un peu ton armure ou je sais pas là. Donc hop. On va donner l'épée aussi à mon petit sacré. J'ai trop l'habitude de dire sacré hein, les gars, je suis désolé. Donc hop. Elle m'a rendu à 4 PA, à 4 PA quoi. T'es sérieux? 4 PA. Ok, c'est la violence. Hein. C'est la violence. Donc là je me mets hop comme ça. Hop. Et la soigneuse va faire son boulot. Donc hop. Tac. Tac. Et bien sûr, tac. Donc je suis désolé si je parle pas trop, hein, c'est parce que je suis assez concentré quand même, parce que c'est un boss quoi, c'est pas rien du tout. Donc hop. Je vais mettre le lapineau bien devant, tu sais, pour être sûr, pour voir si elle le tape ou pas. Elle le tape pas, hein. L'intelligence artificielle fait qu'elle tape pas le lapineau. Ah si, elle l'a tapé. Elle le tue, ok. Ok, ok. Donc, je croyais qu'elle le ferait jamais. Mais elle le fait. Donc, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Voilà, parce que bon, ça ne fait que retarder ma mort. Mais elle arrivera un jour. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais libérer la huileuse. Et je vais mettre là. Voilà, je vais mettre là. Et on va taper un petit coup. Et ça tape, ça tape, ça tape. Ok, cool. Ça tape. Je suis fier. C'est cool. Je suis à 15 PA. Et là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Et ça fait même très 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 mal. Et j'ai pas mis le truc de CC, fait chier. J'ai pas pensé les gars, je suis désolé. Vous avez dû me gueuler dessus, mais j'ai pas pensé. Alors. Il y a un poison PA, ok, c'est un poison PA. Poison PM, donc je vais pas tenter le diable. Je vais juste faire ça. Voilà. Histoire de l'huile un peu quand même, parce que bon, il était quand même dans la merde. Et on va tenter au moins de l'enlever à 40 000 quoi, ce serait top. Non, je sais pas, pour un premier BU, ce serait top quoi. Hop. Et je vous dis adieu parce que hop, je vais juste donner des PA quand même avant parce que je veux pas être niqué. Et voilà, adieu. Oh merde, c'est vrai, j'ai oublié, ça te fait pas l'attaque avant. Ah, c'est chiant ça. Il devrait mettre le truc pour l'attaque et le foutre après quoi, je sais pas. C'est bon. C'est comme ça, hein. c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais voilà.
Ah merde, je peux pas. Je peux pas. Et ça m'a mis ici alors que je ne voulais absolument pas. Bon, c'est pas très très grave parce que hop, on va se soigner, hein. Je peux faire que le foie, ok. Et vu que je peux faire qu'une fois, ben on va taper, hein, sinon elle va reprendre sa résie et ça va être la merde. Mais je pense qu'à 6, les gars, c'est possible. S'il y a deux ennemis, c'est très possible. À moins qu'il y ait une phase P2 où elle est très très vénère, mais je pense que c'est possible, c'est large. Ouais, c'est large même. Regardez les gars, je sais pas, c'est large. J'ai eu chaud là les gars, j'ai eu chaud. Hein. Oh, j'ai eu chaud. Mon dieu, j'ai eu chaud. Là, le truc, c'est que si je bouge, je suis mort. Et si je me soigne, je suis mort. Donc, faire. Ouais. Bon bah. On va tenter, hein. De toute façon, j'étais mort. Soit je faisais rien et elle me tapait et j'étais foutu, soit je tapais pas et j'étais foutu quand même. Donc voilà. Donc bon ben c'est un boss quand même très 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 cheat. Mais s'il y a deux ennemis qui a des roxors, des gros rox, hein, mais des gros rox, c'est possible. Je pense c'est possible. Il faudrait des gros rocks avec des gros PA, hein, pas comme le mien avec 4 PA. Il faudrait plus du rock 6 PA. Un sacrieur, je pense, un sacrieur. S'il y a une team de sacrieurs plus deux healeuses, ça peut le faire. Je pense honnêtement ça le fait. Bon après, comme je dis, c'est une phase où elle est en mode vénère et qu'elle te one-shot tout ce que tu veux, là, voilà, faut avoir une strat, mais c'était juste pour histoire de découvrir un tout petit peu. Et je suis désolé si j'ai pas trop parlé, comme je vous ai dit, hein, je suis très très concentré. Et je voulais au moins faire un petit peu de dégâts, quoi. Et bon, j'ai dû faire les 7000 de dégâts sur un boss comme ça. Disons que j'ai pas de team, j'ai rien, donc... c'est déjà bien, voilà, c'est déjà bien. Bon, j'ai une ennemie, mais c'est la première fois que je fais le boss, donc moi je dis honnêtement c'est cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire si vous avez déjà battu Philacia ou non, si il y a des strats, etc. Donc n'hésitez pas à tout me dire ça en commentaire. Et sur ce, moi je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, bye.